Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Aujourd'hui, on reçoit une pointure de la médecine, Bernard Cron. Avec le membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, nous allons parler d'un système de santé français à la dérive. Entre bureaucratie et suppression de postes, Bernard Cron, auteur de Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Milo, nous dépeint un hôpital français au bord du gouffre et donne ses solutions. Bonne émission. Bernard Cron, bonjour. Bonjour Buzz, on va d'ailleurs faire le buzz avec cette émission, je pense, parce que c'est très chaud en ce moment. Bah écoutez, j'espère, hein, merci d'accepter notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler du Titanic Hôpital, hein, ça c'est vos termes, qui a été heurté par le Covid et qui est en train de couler. Mais avant cela, commençons à parler des raisons qui ont conduit l'hôpital à la française à devenir si fragile, hein, lui qui était si costaud. Une donnée qui parle d'elle-même. En 1970, le système de santé français était numéro un mondial. Aujourd'hui, on est 24e des pays de l'OCDE. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vais enlever mon masque. Je l'ai mis au début pour rappeler que la seule façon de se protéger contre Omicron qui arrive et qui va nous envahir après le Delta, c'est d'avoir un masque, de garder ses distances et de se laver les mains et d'éviter de passer trop de temps dans les espaces confinés. Mais pour cette émission, je vais l'enlever pour qu'on voit ma tête. Et qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle a ma gueule, elle n'arrête pas de râler, parce qu'on avait le meilleur système du monde, vous l'avez dit, qui reposait sur l'élitisme, sur les concours hospitalo-universitaires, sur la qualité. Et malheureusement, le politique et l'administration s'est tempéré de tous les leviers et détruit le système. Alors je vais vous expliquer pourquoi le Titanic Hôpital est en train de couler, alors que nos hôpitaux étaient merveilleux. Je me rappelle qu'en 1969, quand j'étais dans le service de la pitié chez le professeur Mercadier, qui était un de mes maîtres de chirurgie viscérale, on avait fait la première grève du foie en Europe et la première grève du cœur avec le professeur Christian Cabrol, chez qui j'ai été interne pendant quelques mois, au moment de la greffe. C'est un scandale absolu de détruire le vaisseau hôpital. Et qui détruit le vaisseau hôpital? Eh bien, ce sont ceux qui sont à leur tête, ce sont les capitaines, ce sont les directeurs, ce sont l'administration, ce sont la surcharge administrative. Cette situation a des conséquences dramatiques, hein, sur la santé des Français, parce que sans parler du Covid-19, vous dites que 30 000 patients décèdent d'accidents médicaux chaque année, c'est énorme. Bien, il y a des accidents parce qu'il y a un retard de prise en charge des patients. Le dernier rapport de l'Académie de chirurgie sur les urgences montrait que les malades sont vus par des urgentistes. On demande le sacro-saint scanner et faute de chirurgiens disponibles, parce qu'en général, ils sont en salle d'opération, quand il y a une péritonite, une appendicite grave, une occlusion ou d'autres complications, comme par exemple une rupture de rate, etc., le chirurgien étant appelé en retard, on a un retard très important de prise en charge. Le deuxième cause des accidents sont les accidents nosocomiaux, c'est-à-dire les infections à l'hôpital. Il faut savoir que la Covid a été la première cause d'infection nosocomiale. On a envoyé les soignants sans armes à la guerre, ils n'avaient pas de masques parce qu'on avait arrêté de commander des masques, il n'y avait plus de stock de masques et ceux qui étaient encore disponibles, on ne savait pas où ils étaient. C'est le rôle négatif des agences de santé qui sont pourtant l'alpha et l'oméga de la santé actuellement. Mais à titre anecdotique, le directeur de l'agence de santé de l'ARS de l'Île-de-France est un ancien professeur d'histoire. Et quel est le rapport avec la santé? Eh bien, il est directeur, il gère, il administre, et puis il fait des études et il donne des consignes. D'ailleurs, je rappelle qu'au moment de la première vague, c'était la panique totale, puisqu'on a réquisitionné les cliniques. Mais les cliniques, on ne leur envoyait pas les malades, on préférait les transférer en province en train et en avion. Voilà la gestion de notre système de santé qui est totalement administré. J'ai des solutions pour en sortir, mais on en parlera peut-être à la fin de l'émission pour comment sauver le navire hôpital. Et bien sûr qu'on peut en parler. D'abord, comme vous le disiez, les raisons du déclin proviennent de loin. C'est 50 ans de destruction du système de santé, hein, vous dites. Récemment, on a Xavier Bertrand, candidat à la primaire des Républicains, qui s'est fait tancer car il a réclamé lors d'une émission de radio de savoir où étaient les 10 000 lits de réanimation promis par Emmanuel Macron. Mais il y a plusieurs internautes qui lui ont fait remarquer que lorsqu'il était ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy,
ben, il en avait supprimé beaucoup d'élites, Xavier Bertrand. Alors, si les gouvernements successifs ils se renvoient à chaque fois la balle, on n'avancera jamais. Eh bien, on en sortira si on arrive à faire le diagnostic et l'ordonnance de traitement. Je me rappelle que quand Xavier Bertrand était à la manœuvre, je ne sais pas s'il sera un bon candidat, je ne sais pas s'il sera élu parmi les Républicains et s'il a compris de ses erreurs, parce que c'est rare que les politiques tiennent compte de leurs erreurs. Nous étions 3000 chirurgiens quand il était ministre de la Santé à s'être mis en grève et à partir en Angleterre parce qu'il n'avait pas accepté de remonter la nomenclature des actes chirurgicaux. À son époque, l'ablation d'une vésicule biliaire en chirurgie télévisée, qui est un acte difficile et délicat dans les années, alors que maintenant c'est parfaitement rodé, était rémunéré au tarif sécurité sociale 300 euros, alors qu'un chirurgien a un coût d'assurance professionnelle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on s'était mis en grève, on devait partir en Angleterre. Il nous avait promis d'augmenter, mais malheureusement ou heureusement, il a quitté le ministère et nous avons eu l'ineffable Madame Bachelot qui l'a remplacée. Ensuite, c'était Madame Touraine. Et ce n'est pas pour faire le procès du passé. Quand la politique s'occupe de la santé, ça ne marche pas. La politique de santé n'est ni de droite ni de gauche. Elle est étatiste, elle est énarchique, elle est influencée par la GOPE européenne. Pour que la santé marche, il faut la laisser marcher. Les médecins savent soigner, les infirmiers et les infirmières savent soigner. Laissez-nous faire, laissez-nous soigner les gens. Ne nous donnez pas des tableaux Excel, des contraintes, des normes. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la qualité de la formation. Il y avait, dans le passé, une élite médicale formée par les concours d'externat et d'internat. Mais les élites ont la nuque raide. Et depuis Giscard d'Estaing, on a voulu casser la nuque des médecins qui avaient la nuque raide. Je me souviens des frères Judé qui ont été, entre guillemets, massacrés par Valéry Giscard d'Estaing, pardon, qui voulait se faire réélire et qui nous voulait une médecine socialisante et qui comptait là-dessus pour se faire réélire. Il a été battu et on sait ce qu'il en est advenu. Alors, on manque déjà fortement de personnel de santé, hein. Ça c'est un problème que vous soulevez également. Qu'est-ce que vous pensez de l'obligation vaccinale des soignants qui a entraîné des milliers de suspensions et autres démissions? Alors, c'est difficile de trouver des chiffres précis. Il y a beaucoup de batailles sur ces chiffres, mais ça se compte en plusieurs milliers de postes. Qu'est-ce que vous en pensez? On estime à 15% le personnel soignant qui n'a pas voulu se faire vacciner. Alors, le problème, il est le suivant. Est-ce qu'il est nécessaire de vacciner tout le monde ou pas? Je n'ai pas la réponse. L'avenir reste à écrire et on le saura dans plusieurs années si c'est un bon ou un mauvais choix. Pour l'instant, on n'a pas d'autre chose que le vaccin pour lutter contre les variants et contre ces maladies. Je voudrais faire une petite parenthèse sur l'arrivée de l'Omicron, qui est le nouveau variant qui arrive d'Afrique du Sud. Bien entendu, il est en France et bien entendu, il est très contagieux. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les vaccins actuels seront toujours aussi efficaces pour éviter les formes graves, car les vaccins sont efficaces pour éviter les formes graves dans 90% des cas. Mais les vaccins n'empêchent pas d'attraper la maladie et n'empêchent pas, et c'est ça qui est dommage, de la transmettre, même si on est moins transmetteur quand on est vacciné. Est-ce que les vaccins seront efficaces contre l'Omicron ou pas? L'avenir reste à écrire là aussi. J'espère que le nouveau vaccin français qui va sortir, dont on ne parle pas du tout, et je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je sais trop pourquoi, les conflits d'intérêts, le vaccin de Valneva devrait arriver au premier trimestre 2022. Il semble extrêmement prometteur et rassurerait les gens qui ne sont pas vaccinés, car c'est un vaccin traditionnel avec un virus inactivé. Alors, est-ce que c'est bien de vouloir forcer les soignants à se faire vacciner ou pas? En tout cas, c'est une erreur dans la mesure où on manque de personnel, on manque de soignants. Avec la grève des IBOD et des IAD, les IBOD, c'est les infirmiers et infirmières de salle d'opération, et les IAD, ce sont les anesthésistes infirmiers ou infirmières. Ça fait plusieurs semaines qu'elles sont en grève, personne n'en parle. Ce sont des rouages fondamentaux du fonctionnement des blocs opératoires. Sans les IAD et sans les IBOD, on ne pourrait pas opérer. Or, actuellement, certains services hospitaliers ont 30 à 50% de leurs blocs opératoires fermés, alors qu'il y a 1 million d'interventions à rattraper à cause des déprogrammations des précédentes vagues. Voilà la situation, elle est absolument inacceptable
Et les solutions existent, elles sont très simples. On en parlera à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Alors d'abord, vous dites que l'hôpital crève aussi de sa bureaucratie. On en parlait en début d'émission. Vous parlez même de mépris administratif. Alors ça, c'est un des vrais gros problèmes. C'est plus qu'un mépris. L'administration ne connaît pas la santé. Ils ont des tableaux Excel, ils font des statistiques, ils font des circulaires. Ils pensent qu'un pion est amovible. Or, la santé, c'est un travail d'équipe. Il faut un grand chef de service responsable et compétent, certainement pas élu, mais nommé par sa compétence. Il doit avoir une équipe autour de lui. Ce n'est plus le cas parce que l'administration trouve que quand il manque une infirmière à tel endroit, on la déplace. Et quand ils ont des logiques comptables, en fait. C'est purement un tableau Excel comptable. Mmh. Et quand ils sont en repos pendant leur week-end de repos, ce qui est bien mérité parce que le personnel est totalement épuisé par 2 ans de pandémie, eh bien, on les rappelle et on les fait revenir. Je donne un autre exemple. Lors de la première vague, 10 000 infirmiers et infirmières jeunes retraités sont revenus à l'hôpital pour prêter main-forte. Certains n'ont même pas eu leur prime de déplacement qu'on leur avait promis parce que certains venaient de province. Donc, ils ne sont pas revenus. Et d'autre part, le personnel actuel épuisé par les grèves, les manifestations qui n'ont aucune écoute, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils démissionnent, ils s'en vont en libéral ou tout simplement ils changent de métier. La durée de vie d'une infirmière à l'assistance publique est en moyenne de 5 ans. Au bout de 5 ans, elles partent, elles font autre chose. Et vers nos frontières, comme l'Europe est libre de circulation, eh bien, elles partent dans les pays voisins, qu'il s'agisse de la Suisse, du Luxembourg. Elles sont beaucoup mieux payées, jusqu'à 50% de plus. Il faut savoir qu'à l'assistance publique, une infirmière en début de carrière est payée 2 000 euros, et comme elle ne peut pas se loger à Paris, elle est obligée de se déplacer de très loin, et pour pallier à ces problèmes, l'assistance publique n'a même pas réussi à faire des dortoirs dans les hôpitaux qui sont désaffectés. Par exemple, l'Hôtel Dieu est vide. L'Hôtel Dieu n'a plus qu'un service d'urgence et un scanner. Le Val-de-Grâce a été fermé. On aurait pu trouver des solutions de logement pour le personnel qui ne s'épuise pas à distance. J'ai même eu le témoignage d'une infirmière qui avait peur de contaminer sa famille avec l'absence de protection suffisante à l'hôpital. Elle dormait dans sa voiture et il y en a d'autres qui étaient hébergés chez des voisins de l'hôpital pour pouvoir continuer leurs soins. Eh bien, ce personnel est extrêmement déçu et n'accepte plus de cette situation car rien n'a été fait pour réarmer l'hôpital avec les nouveaux cycles de variants. La 5e vague du variant Delta n'est préoccupante que parce qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation pour prendre en charge les patients. On en parlera à la fin de l'émission, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous disiez, sur ces conditions de travail et de rémunération qui ne sont plus supportables pour beaucoup de personnels de santé. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces conditions et ces rémunérations, elles ne motivent pas les foules à devenir professionnels de santé. Là, je parle des postes d'infirmiers, par exemple. Et on a une véritable crise des vocations qui est à l'œuvre, qui vous inquiète dans un cadre où on manque déjà de personnel. C'est-à-dire vous que plus personne ne veut devenir infirmier. Vous avez tout à fait raison. Il y a même des arrêts en cours d'études de plus en plus importants. Et ce qui m'inquiète beaucoup, pour en revenir au problème des personnels, parlons des médecins avec les déserts médicaux. En deuxième année de médecine, on admet 10 000 étudiants. Il semblerait que 20% n'iront pas au bout parce qu'ils en auront marre de ces études qui ne sont pas très motivantes. Et la formation clinique technique est trop tardive puisque les internes arrivent au moment de leur prise en fonction sans avoir été préparés par ce qui était à mon époque un externat formateur avec des stages de très grande qualité. Il est évident que dès la deuxième année de médecine, il faudrait pouvoir identifier les vocations précoces pour faire de la médecine générale et leur donner tous les moyens de devenir médecin généraliste. Actuellement, les médecins généralistes sont des spécialistes, ils font 4 ans d'internat, et cerise sur le gâteau, on va les obliger dans les programmes des différents candidats à passer 1 an dans les déserts médicaux, passer 1 an loin de sa famille, loin de ses bases, alors qu'on a une 30aine d'années, ça me semble une très mauvaise solution. Alors, on va, avant de conclure en parlant de la 5e vague, on va parler maintenant des solutions que vous proposez pour le sauver, ce Titanic de l'hôpital français qui est en train de couler. Comment on l'empêche de couler ? C'est une très bonne idée et mes solutions ne coûteront pas un centime. Il faut déjà
aller vers le projet de la régionalisation de la santé, puisqu'on a créé 13 régions en France. Il faut supprimer la plupart des agences de santé, arrêter avec les ARS, arrêter avec les groupements hospitaliers de territoire, arrêter avec le comité professionnel, qui sont des organisations qui sont chronophages et qui coûtent du personnel, et laisser les médecins s'organiser à condition d'être en nombre suffisant. Il faut que les maires construisent, là où c'est des déserts médicaux, des maisons médicales aux frais de leur commune, en attirant les médecins chez eux, en leur donnant des conditions de travail correctes avec un secrétariat. Il est évident qu'un jeune qui a terminé ses études, qui a fait 4 ans d'internat, ne veut pas, au tarif conventionnel à 25 euros la consultation, aller travailler 70 heures par jour, par semaine. 70 heures par semaine, pour pouvoir équilibrer ses budgets. Donc ça, c'est une première chose. Il faut recentrer les études médicales sur la qualité de la formation et faire un internat densifié, plus court pour la médecine générale. La deuxième solution, c'est de supprimer un tiers des technico-administratifs. Je redonne un chiffre. La France, c'est 33% de technico-administratifs. L'Allemagne, c'est 22%. Ça représente donc la moitié en plus en France. J'ai fait un petit calcul, c'est l'équivalent de 100 000 postes de soignants. Mais pour ça, il faut créer des vocations, leur donner envie de faire ce métier. Et pour qu'ils aient envie de faire ce métier, eh bien, il faut remettre non pas le malade au centre, parce que ça, c'est des déclarations de la politique. Le malade n'a jamais été au centre de l'hôpital. Ce qui était au centre de l'hôpital, c'est l'administration. Il faut remettre les médecins avec des pouvoirs et des responsabilités. Il faut supprimer les chefs de pôle, car un pôle, qu'est-ce que c'est ? C'est une superstructure supplémentaire avec des directeurs et des administratifs qui coachent les chefs de service. Et les chefs de service sont devenus malheureusement, sauf quelques fortes têtes, parce qu'il en reste encore quelques-unes, les autres ont démissionné ou sont à la retraite ou sont morts. Ces quelques chefs de service devraient être responsables de leur service. Ils n'ont pas besoin d'être coiffés par un pôle. Ce pôle est la paralysie de l'hôpital, car c'est un système administratif encore supplémentaire. Hirsch est à la tête de l'assistance publique. Martin Hirsch. Savez-vous que l'assistance publique, il y a l'administration centrale, il y a 6 groupements hospitalo-universitaires, il y a un directeur dans chaque hôpital avec des sous-directeurs, un staff administratif, il y a un conseil d'administration, un conseil de surveillance, une CME, un comité médical d'assainissement, un CLIN pour lutter contre les infections nosocomiales. Il y a en plus le chef de pôle. Alors, le chef de service, est-ce que c'est vraiment un chef de service ? L'hôpital crève de On crève de l'administration. Il faut couper le Degorien administratif et le navire hôpital se redressera, pourra changer de direction et éviter et l'iceberg. Ne rentrera pas l'iceberg. Bon, mais pour conclure, en attendant, parce qu'on verra si le Titanic hôpital français va réussir à redresser sa course pour éviter l'iceberg, mais en attendant, ce qui arrive tout de suite, là, c'est la 5e vague de Covid-19 et ce variant Omicron dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que l'hôpital public français est prêt à affronter cette 5e vague d'Armand ? L'hôpital n'est prêt à rien. Et il ne pourra être sauvé qu'aux deux conditions. La première, on en a parlé, c'est l'administration taillée dans le vif. Mais deuxièmement, renforcer la ville. Je rappelle que les urgences avant la Covid allaient jusqu'à 25 millions de passages aux urgences par an à l'hôpital. L'hôpital était submergé. Mais ça, c'est merci M. Castex, M. T2A, la rémunération à l'activité de l'hôpital. L'hôpital à flux tendu. L'hôpital à flux tendu ne peut pas soigner la pathologie habituelle plus une pandémie. Donc l'hôpital n'est pas prêt à faire face à une 5e vague, si tant est que cette 5e vague entraîne beaucoup de malades hospitalisés et de cas graves. Or, il faut quand même donner des chiffres. Actuellement, le nombre de morts par jour oscille aux alentours d'une trentaine, alors qu'il y a 1600 morts d'autres pathologies par jour. Donc ça reste relativement marginal. Même chaque mort en trop est inacceptable. Et les services de réanimation augmentent d'environ 100 malades par semaine depuis 3 semaines. Donc on a actuellement 1500 malades en réanimation. Si on avait eu les 10 000 lits et le personnel formé, on pourrait faire face très facilement et ne pas être submergé. Mais malheureusement, on nous dit que pour fermer un réanimateur, il faut plusieurs années. C'est totalement faux. Il faut
pour pouvoir intuber, ventiler un malade en urgence quand il n'est pas bien, il faut être un senior, il faut être chevronné, mais pouvoir surveiller avec toutes les machines qu'il y a actuellement un malade en soins intensifs, sous oxygène, mis sous cortisone et anticoagulant, c'est d'être à portée d'un personnel de fin d'études formé en quelques semaines. Et ça n'a pas été fait. Ben écoutez, l'avenir proche nous le dira, hein, puisqu'on va rentrer dans l'hiver et qu'on rentre dans une période compliquée. On va dire un petit mot, si vous voulez, de l'Omicron qui arrive. Oui, bien sûr, on peut terminer. Alors, l'Omicron semble très contagieux. Il faut savoir que le corona mute en permanence et que quand ces mutations sont favorables, rendent le virus plus contagieux, eh bien, il entraîne un nouveau cycle de maladies. Ne parlons pas de vagues, parce que le vague, c'est excessif. La vague, actuellement, c'est le nombre de cas testés positifs, mais le nombre de malades hospitalisés, le nombre de malades en réanimation, relativement faible. Alors, est-ce que cet Omicron sera très virulent, c'est-à-dire grave, pour les patients, pour les formes graves de cette maladie corona? On ne le sait pas. Il semblerait qu'on peut avoir un petit peu d'espoir, dans la mesure où plus un virus mute, plus en général, il devient moins agressif, même s'il est plus contagieux. Donc, on peut espérer, en prenant toutes les mesures barrières, et j'en reviens avec le masque et le lavage de mains, pour éviter de se contaminer, et on saura à ce moment-là si l'Omicron peut résister au vaccin, ou au contraire, si on peut être protégé par le vaccin, et il y aura probablement de nouveaux vaccins en cours de préparation. Merci beaucoup Bernard Cron d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre invitation sympathique. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et bien sûr à vous abonner à la page YouTube ainsi qu'au compte Twitter. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Buzz l'Info.